Hey, salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle car il s'agit aujourd'hui d'un unboxing d'une console collector Xbox 360. Il s'agit, comme vous pouvez le constater, de l'édition Kinect Star Wars. Donc l'édition limitée. Donc là on a une face avant de la boîte. Je vais vous la retourner petit à petit. Cette version collector est sortie en fin 2011. Alors bien sûr moi j'ai pu l'acquérir que récemment grâce à un pote qui m'a fait d'ailleurs une belle offre sur cette console. Donc je ne suis pas un grand fan de Star Wars, mais j'aime bien. Et j'ai déjà la Xbox One S Collector Gears of War 4 que je vous ai déjà montré en vidéo il y a de ça quelques temps déjà quand même, hein. C'était pour la sortie il me semble. J'avais dû vous faire la vidéo, je crois, le jour de sa sortie ou un jour près, quelque chose comme ça. Bon, là, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'années qui se sont écoulées parce que, bon, fin 2011, bon, moi, je n'ai que la console que depuis récemment. Donc là, donc une autre face donc de la boîte et on voit écrit, mais bon, je pense que c'est petit, je sais pas si vous le verrez, le prix était à l'époque de 399 €. Qui est quand même cher, mais bon, c'est grosso modo même encore à l'heure actuelle le prix de console collector, voire un peu plus quoi. Certaines sont à 450 voire 500. Donc voilà, on peut constater qu'on a le jeu Star Wars Kinect. Donc voilà, la boîte est globalement dans un très très bon état. Franchement, je veux dire, hormis des petites marques, et encore franchement faut vraiment chipoter quoi. La console est vraiment dans un état irréprochable. Non seulement la console est comme neuve, mais la boîte est vraiment en très bon état. Donc j'ai quand même constaté, bien sûr, une fois le colis reçu, j'ai constaté que le tout était dans un état irréprochable. Donc on va ouvrir tout doucement la boîte. Voilà. Donc j'enlève les protections que mon pote m'a mis. Donc voilà, je vais sortir la console. Donc on va mettre peut-être la boîte ici. Sortir la console, très très belle console. Voilà, je sais pas si on peut voir vraiment cette finition magnifique. Donc c'est donc une Xbox 360 Slim. D'ailleurs je ferai tout à l'heure un comparatif avec mon ancienne 360 qui est une FAT. Voilà, je vais vous l'approcher d'un peu plus près. Donc là, on a bien sûr les connectiques classiques, hein, l'alimentation, internet, prise VGA, etc. Alors, quand on retourne la console, on a également ben, la décoration. Donc voilà, inutile de préciser que la console est à l'effigie du gentil droïde R2-D2. C'est vraiment magnifique. Donc le Xbox 360 est en relief. Enfin, disons, gravé, quoi. Ce qui est dommage, c'est que autant la console, on voit qu'elle est peinte. C'est pas du tout un autocollant, elle est vraiment peinte. Mais j'aurais préféré qu'il y ait des petites choses en relief, comme on a pu voir sur la collector Gears 4
où il y a vraiment des griffures incrustées dans la coque, que j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Donc je vais la reposer là. Et on va regarder ensemble le reste du contenu. Là, je vais poser la console là-bas. Voilà. Je vais ramener le carton ici. Et on va regarder tout doucement ce qu'il y a. Donc, on a le Kinect. Donc la caméra Kinect, ici, hein, bien sûr. Et deux jeux qui ne m'intéressent absolument pas. Kinect Adventure et Star Wars. Voilà. Les deux jeux sont bien entendu complets. On a bien entendu tout ce qui est câble. Les câbles de la Kinect, etc. et de la console. Donc voilà, on a vraiment tout. Donc voilà, avec un branchement donc USB pour mettre, je suppose, derrière la console ou même devant, peu importe. Je pense que derrière ce sera peut-être plus simple. Donc ça c'est sans doute pour le son. Ensuite, je pense qu'on va quand même sortir la Kinect. Alors on a bien sûr le transfo de la 360. On enlève bien sûr les câbles de la caméra, des câbles qui sont relativement de très bonne facture et qui protègent vraiment bien la caméra, hein, il y en a une de chaque côté. Voilà la petite bestiole, la fameuse Kinect, que je ne me servirai sans doute pas d'ailleurs, parce que c'est voilà, c'est vraiment plus pour la collection qu'autre chose. Au pire, peut-être que je m'en servirai pour me faire un avatar, mais bon, après, ça sera vraiment la seule chose. Donc voilà. Ça a de la gueule quand même, mine de rien, c'est pas mal, hein. Bon, on va la mettre de côté. Quelque chose. Manette. La manette C3PO, qui est toute dorée, qui est vraiment magnifique. Vraiment magnifique et qui est dans un état irréprochable, tout comme la console. Vraiment superbe. La manette est vraiment trop trop belle. Donc là, comme d'habitude, hein, on a le. Soit on met une batterie, soit on met des piles, hein, n'est-ce pas? Donc là, en l'occurrence, il y a des piles à l'intérieur. Voilà. Alors, je vous remontre une dernière fois la manette, qui est vraiment dans un état irréprochable, un état de connexion. Donc, on va bien entendu ensuite passer au branchement de la console, histoire de vous montrer un petit quelque chose en plus que tout le monde connaît, bien entendu, hein. Donc là, je remontre encore une fois la console. Voilà, comme si elle était debout. Voilà. Donc avec Star Wars écrit à l'endroit. Je la retourne. Donc voilà, elle est vraiment magnifique. Honnêtement, elle est tellement belle. Tout comme ma Xbox One S Gears 4. Vraiment des consoles qui méritent de rester dans un musée. Vraiment magnifique.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, c'est que je vais mettre la console comme ceci là. On va déplacer le carton qu'on va mettre du coup ici. Voilà. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour une petite surprise. Bon, il s'agit tout simplement d'entendre le son de la console, mais bon, ça vous le savez déjà. Allez, je vous dis à tout de suite. Coucou, re les amis. Alors, donc, comme promis, je vais vous montrer les... Je vais vous faire entendre les sons de la console. Donc, maintenant que la console est branchée. Alors, en fait, c'est tactile. Il suffit tout simplement de poser son doigt donc sur le bouton power. Donc, il n'y a pas besoin d'appuyer. Ça, c'est vraiment sympa. Ensuite, on va s'occuper du tiroir disque. C'est vraiment très très stylé. Là, je vais en profiter pour enlever une petite poussière. Voilà. On l'éteint. Allez, pour le plaisir, on recommence et je ne dis plus rien. Et voilà, donc c'est vraiment très très sympa. Moi, j'adore le son, j'adore les sons du petit droïde R2-D2, je trouve ça super stylé, c'est très très classe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pousser la console, parce que j'aimerais vous montrer des toutes petites choses en plus qui se trouvent dans le carton. Voilà. Et vraiment, même l'intérieur de la boîte, il est vraiment nickel. Rien n'est abîmé. Alors, on a donc un livret d'informations importantes sur la 360. Donc ça, voilà, on peut le mettre de côté. On a un petit étui Kinect Star Wars avec des petites choses incluses dedans. Donc on va regarder ensemble tout ce qu'il y a. Alors, on a ça. Je sais pas trop quoi. Voilà, une carte de calibration pour Kinect. Voilà, apparemment, faut conserver la carte. Voilà, on s'en fout. On a le kit d'installation rapide. Voilà. On a ça, un petit... Pareil, avec d'autres informations que j'ai... Je crois que je l'ai déjà eu dans ma première 360. Hein. Donc voilà, un petit dépliant. Ensuite, on a apparemment... Après, je ne sais pas s'il a été utilisé, mais... Ça m'est égal parce que je ne compte pas y jouer. Donc apparemment un code pour une extension. Bah, je suppose que c'est une extension hein, pour le Kinect Star Wars. Donc un petit carton avec un code de dos. Ensuite, on a donc pareil un autre petit livret d'information. Voilà, rien de sensationnel. Et là, le truc que je trouve super fun, vraiment sympa, je vous le déplie. Après, je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Je vais peut-être du coup reculer. Je vais essayer du
coup de régler l'appareil. Hop. Voilà. Excusez-moi du tremblement. Je recule. On va mettre ça. Mettre ça là-bas. Hop. Hop là. Alors c'est pas extraordinaire, mais je trouve que c'est. Moi qui adore ces petites choses-là, je trouve ça vraiment super sympa. C'est un petit poster. Voilà, un petit poster Star Wars. Voilà. Bon, j'essaie vraiment de vous le montrer comme je peux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais. Voilà, je vais incliner un petit peu l'appareil pour vous montrer un petit peu mieux le poster. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, moi j'aime bien personnellement. C'est le poster, il est quand même assez grand, hein, parce que j'ai un grand canapé, donc moi je peux vous dire que quand même le poster est quand même non seulement de bonne qualité, enfin c'est un poster quoi, il a rien de plus qu'un autre, mais je trouve ça c'est vraiment sympa. Voilà, les deux persos, les deux personnages avec la console en bas, je trouve ça vraiment très très stylé. Voilà, donc je vais reposer ça. Voilà, on va replier ce petit poster qui est fort sympa. Voilà. Et maintenant, on va rigoler un petit peu. Ne bougez pas. Restez bien devant votre écran. Hop. Eh ben, c'est qu'elle pèse alors. Et hop là. Voilà ma première 360. C'est quand même déjà pas la même chose. On voit déjà quand même. Déjà quand même la différence de taille. Hein? C'est quand même assez flagrant quoi. Donc on voit la différence entre une FAT et une Slim. Alors je trouvais ça assez rigolo de vous le montrer. Alors je vais faire autre chose. Je vais la mettre par-dessus. Voilà. Et voilà. Donc ma 360, moi à l'époque, je l'avais eu en 2006 avec, avec la sortie en fait de Gears of War 2. C'est un pack jeu et console. Pas du tout un collector. Du tout, du tout. C'est juste que c'était. Enfin, le carton est à l'effigie de Gears of War 2, mais c'était pas du tout un collector. D'ailleurs, c'est un peu dommage, mais. Mais bon, en tout cas, j'avais le jeu en boîte à l'intérieur. Donc ça, c'est sympa. Donc voilà, pour finir, je voulais vous montrer, faire la comparaison avec ma première 3.6, qui était vraiment le premier modèle, avec d'ailleurs à peu près une cinquantaine de gigas. Tandis que là, on a quand même, dans la Collector Star Wars, mais je crois que c'est valable pratiquement dans toutes les 360... D'ailleurs, je me suis peut-être trompé. J'ai peut-être dit One tout à l'heure, je sais plus. Ouais, ma première 360, j'avais à peu près 50 gigas, tandis que les One S, elles font beaucoup plus en disque dur. Et celle-ci, la Star Wars, elle fait 320. 320 gigas, donc moi qui me plaignais tout le temps d'être obligé de désinstaller divers jeux et autres,
applications, etc. Là, du coup, je serais quand même relativement tranquille. Sans oublier la descendante, enfin, rétrocompatibilité des jeux 3.6 sur la One. Ça, c'est plutôt pratique aussi. Mais bon, quoi qu'il en soit, comme j'ai encore pas mal de jeux 360 qui sont pas compatibles One, je vais vraiment être content de pouvoir tous les installer sur la 3.6 Slim Collector, du coup. Donc, je suis vraiment très très content. Je pense que je vais me servir de la Star Wars maintenant, à cause du disque dur, quoi, en fait, qui est beaucoup plus conséquent. Donc voilà, sachez-le, malgré tout, c'est que les 360 Slim ont un disque dur plus conséquent, si je dis pas de bêtises, et celle-ci, et celle-là, bah, elle a 320. 320. Alors, est-ce que les autres ont aussi la même capacité de stockage? C'est possible, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo unboxing vous a plu sur cette console collector. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien. Allez, ciao!